Bonjour et bienvenue sur Essai Libre, très heureux de vous retrouver aujourd'hui avec l'essai d'une nouveauté, Alfa Romeo Tonale. Essai Libre, c'est une vidéo tous les dimanches matins avec votre petit bol de café, donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche pour être au courant des futures vidéos. Et avant de démarrer cet essai, je remercie la concession Alfa Romeo Servigna de Coignières dans le 78 pour le prêt de cette auto et me permettre de vous faire cet essai détaillé. Ce véhicule est très important pour la marque, il fait partie maintenant du groupe Stellantis. Et en tant que passionné automobile, j'ai surtout pas envie que Alfa Romeo finisse par disparaître. Donc, il faudrait que ce véhicule se vende quand même. Alors comme d'habitude, on va démarrer par la partie design. Donc ce Tonale est un SUV, quand même d'un gabarit assez impressionnant, puisqu'il fait quand même 4,53 m de long. On est chaussé là en 20 pouces, 235-40 R20, donc une belle monte avec des belles jantes en alu et un étrier de frein rouge. En termes de design général, en fait, ça tranche un peu avec les productions actuelles. C'est-à-dire que je lui trouve pas mal de rondeur, en fait. Aujourd'hui, sur les véhicules récents, on est plutôt sur des arêtes, quelque chose de très anguleux, triangulaire, taillé à la serpe. Et là, ce Tonale, eh bien, lui, il est tout en rondeur. On retrouve un design un peu oublié ces derniers temps, mais qui lui va plutôt pas mal. Un bel épaulement sur le 3 quarts à l'arrière, qui lui va bien. Je vous montre la signature lumineuse, bandeau de LED sur l'arrière. Reconnaissable avec les trois petites vagues comme ça, mais aussi trois feux en profondeur. Vous voyez comme c'est fait? Et la signature lumineuse à l'avant avec trois petits feux de jour. Signature caractéristique des Alfa Romeo, et notamment qui rappelle l'Alfa SZ ou RZ, avec ses trois petits feux dessinés par Robert Opron. Vous pouvez d'ailleurs retrouver cette vidéo pour voir ce modèle exceptionnel SZ-RZ. Je vous mets la description là-haut si vous voulez cliquer pour aller voir cette vidéo. Et en termes de clignotant, bah c'est une simple LED qui clignote, pas de défilant. Il y en a un dans le rétroviseur aussi. Et à l'avant, vous voyez, le clignotant est défilant sur les trois feux de jour. Ça, c'est pas mal. La fameuse calandre Alfa Romeo avec un logo assez sympathique. Vous voyez que il est texturé ici, c'est pas mal fait. On est sur une version spéciale, 130 chevaux essence, aidé par une hybridation légère, petit moteur électrique de 20 chevaux qui se trouve dans la boîte de vitesse, qui aide surtout à réduire les consommations et à très faible vitesse à rouler en 100% électrique, 15 km/h. Vous voyez ce petit drapeau italien qui est à l'intérieur du verre du clignotant latéral. Intéressant. Le pare-choc à l'arrière est en noir laqué. Je ne sais pas si c'est très heureux pour les chocs, mais bon. On ne voit pas de canule d'échappement. Du moins, il y a un simulacre ici sur le bas à droite et la même chose à gauche. Regardez les dessous, on n'y voit pas grand chose. Il y a la marmite d'échappement en centrale et l'échappement, lui, le vrai, est sur la droite ici, en simple sortie. Hop, ouverture du coffre avec le pied possible qui donne accès sur un coffre assez généreux de 500 litres, ce qui est pas si mal, avec une tablette ici réglable en deux positions. Vous voyez que là j'étais à la plus basse, on peut la relever, voilà, pour avoir plus de compartiments en dessous où on a le kit de secours en cas de crevaison. C'est très pratique avec le pied aussi, sinon on a un petit bouton sur le coffre. Saint-Vérin, quand tu nous tiens, voilà. Ça, c'est une belle chose. De Saint-Vérin. Merci Alfa Romeo. Et voilà le bloc moteur avec un superbe cache plastique. Voilà, en termes de motorisation, on retrouve un 1,5 litre turbo compressé 4 cylindres 16S de 130 chevaux au total, aidé par la petite hybridation greffée sur la boîte de vitesse, un moteur électrique l'équivalent de 20 chevaux pour aider en manœuvre. Et à petite vitesse, rouler à 15 km/h. Donc tout cumulé, ça fait 130 chevaux. En termes de performance, le 0 à 100 est fait en 9 secondes 6 et la Vmax à 200 km/h. C'est pas un foudre de guerre, c'est pas un modèle sportif, je rappelle, modèle d'entrée de gamme. Ce compartiment moteur accueillera d'autres motorisations, notamment un diesel et puis des moteurs essence plus puissants, notamment de 275 chevaux, où là ça commencera à parler un petit peu sur la route. Mais j'ai hâte d'essayer un 275 chevaux pour voir ce que ça donne avec l'âme plus Alfa Romeo. Et voilà, on a vu, notamment concurrent des Volvo XC40, Audi Q3, etc.
On va aller voir ce que ça donne derrière. C'est réglé pour moi à l'avant à 1m88. Vous voyez que j'y suis pas si mal. On a quand même de la place. La garde au pavillon est bonne. Pour les genoux, bon, bah, faut que j'écarte un petit peu les jambes. Mais globalement, ça va. On est assis assez haut dans cette voiture. On est surtout ici sur un véhicule équipé d'un intérieur cuir. C'est une option. Avec l'accoudoir central pour mettre ses petits gobelets. Et une trappe à ski qui s'ouvre vers l'intérieur. C'est original. On a du plastique dur sur l'arrière, qui est quand même avec un grain sympathique. Sur la porte avant, le plastique en haut, ici, vous voyez, est de meilleure facture que celui de l'arrière. C'est dur, mais c'est pelliculé quand même. Voilà, on a mis l'accent sur plus de qualité visible sur l'avant. Vous voyez qu'on a une Sono Harman Kardon. Une planche de bord, ma foi, assez réussie dans ce tonal lait. Des fûts comme ça pour les compteurs. Alors, je vais allumer ici, vous voyez. Au fond, on a du plastique dur. Ici, ça mousse, c'est plus qualitatif. Mais vous voyez qu'on est chez Alfa Romeo et que parfois, les ajustements et la qualité de finition, c'est pas encore tout à fait ça. Ce ne sont que des petits détails. Mais globalement, la planche de bord est quand même agréable et réussie. Une boîte à gants des plus profondes. Des rangements quand même qui sont assez présents, hein. Avec rechargement par induction ici. On a une boîte automatique sur ce modèle à 7 rapports. On retrouve la commande des modes de conduite DNA classique chez Alfa Romeo. D pour dynamique, N pour normal et A pour tout temps. Les compteurs qui nous font face, bien sûr, c'est une tablette, hein, comme aujourd'hui sur tous les véhicules récents. On peut, en appuyant sur le bout de la commande ici, changer les modes de vue à votre convenance. Vous voyez ces différents modes. Et notamment, on en a un qui rappelle les fameux compteurs à aiguilles. Classique au niveau du volant, réglage, régulateur, limiteur de vitesse, réglage, son, téléphone. Là, on ne le verra pas parce qu'il fait jour, mais ici, vous avez une partie du tableau de bord avec des motifs, mais qui sont rétroéclairés la nuit. Et vous pouvez changer la couleur de tout ça. Donc ça, c'est en termes d'ambiance lumineuse, c'est assez sympa. Au niveau de cette tablette d'infodivertissement qui est bien positionnée, pas trop haute, ça c'est bien. Pour à l'œil et au niveau de la planche de bord, ça libère. C'est bien disposé. On peut circuler comme ça en latéral et ajouter des pages si on a envie. On a tout ce qui va être média avec Apple CarPlay. Tous les réglages de climatisation. On a aussi bien sûr des boutons d'accès direct et heureusement, c'est bien utile. Navigation et tout l'aspect gestion du téléphone. Et bien sûr, tous les réglages du véhicule avec une caméra à l'arrière d'une définition assez intéressante. Différents réglages en termes de paramétrage. Sur les performances, alors là, c'est pas de bon aloi parce que le moteur ne s'y prête pas, mais on peut vérifier le couple, la pression du turbo. Alors si on regarde les consommations sur ce véhicule qui a roulé quand même 1477 km à 8,4 litres de moyenne. Bon. Voilà, quand le constructeur donne un cycle WLTP à peu près 6 litres au 100, eh bien on ajoute 2 litres là en conduite. Bon, après, c'est des conduites d'essai. C'est peut-être pas caractéristique, mais en tout cas, 7-8 litres, c'est pas faux. Le petit drapeau, il est rappelé aussi sur la console centrale, comme dans les rétroviseurs. Voilà, dites-moi dans les commentaires là déjà ce que vous pensez sur la partie design et intérieur de ce tonalet. Maintenant, on va aller essayer sur la route, voir ce que ça donne en partie dynamique. On trouve assez facilement la position de conduite dans ce véhicule, si ce n'est l'assise qui est un peu courte pour moi, on n'a pas assez de soutien sous la jambe près du genou. Alors comme on l'a vu, on a trois modes de conduite et vraiment différents, surtout entre le mode dynamique et le mode normal. En mode normal, le moteur est vraiment atrophié, il faut vraiment mettre en dynamique pour sentir un petit talent sur ce 1,5 litre turbo de 130 chevaux. Il est normal que le moteur soit pas un foot de guerre, mais enfin quand même, c'est assez anémique sur le mode normal. Avec cette motorisation, on est vraiment sur
sur l'entrée de gamme de ce Tonal Lay. Et j'ai envie de dire, il n'y a rien de trop. C'est vraiment juste limite. Alors, vous voyez là, si j'appuie à fond, qu'il donne, il y a une énorme latence avant que le moteur y aille. Et ça hurle sans trop avancer. On va essayer la même chose en mode dynamique. Allez, kickdown, c'est quand même plus réactif, hein, franchement, mais ça hurle, écoutez le passage des rapports. Et il y a même une petite secousse, tellement il monte les rapports assez haut. C'est pas très agréable, hein. C'est pas très agréable en termes de gestion de la performance du moteur avec la boîte de vitesse. Et en termes de freinage, la consistance de la pédale de frein fait qu'on a du mal à doser. Il y a une attaque assez molle. Ensuite, le frein arrive d'un seul coup. On a connu mieux en termes de consistance de pédale de frein pour pouvoir doser correctement les choses. À vitesse stabilisée, la voiture reste confortable et agréable à conduire. En termes de direction, je la trouve pas des plus agréables. Le toucher de route est un peu particulier. Une espèce de léger flottement. On sent pas bien le point milieu. D'ailleurs, la voiture est neuve et le volant n'est pas forcément droit en ligne droite. C'est assez curieux. On passe là sur une route un peu bosselée et pour autant avec la monte de 20 pouces, eh bien c'est pas si désagréable, c'est assez bien dosé en termes de confort, d'amortissement. Écoutons le bruit du clignotant avec un petit écho, une petite résonance. Une caractéristique d'Alfa Romeo, c'est ses grandes palettes au volant pour changer les rapports de la boîte auto qui sont surdimensionnées. C'est bien sur un véhicule très sportif. Mais il y a quand même quelque chose qui me chagrine dans cette affaire, c'est que la palette est tellement proéminente que le commodo de clignotant est caché derrière. Donc c'est un peu difficile parfois d'aller accéder directement à ce commodo de clignotant qui est derrière la palette. En termes de châssis, la voiture est très précise. Si on a des virages à prendre, elle se place rapidement. Ça, c'est un point qui est intéressant en termes de châssis et de tenue de route. C'est une voiture qui mérite plus de motorisation. Pas attendre un foudre de guerre avec un moteur 1,5 litre 130 chevaux, 1 tonne 6 et 240 Nm. Bon voilà, la voiture fait ce qu'elle peut avec ce qu'elle a. Les prix de cette Tonal Lay, c'est à partir de 35 400 €. Et après, ça peut monter à plus de 45 000 €, notamment ma version d'essai ici avec toutes ses options, les sièges en cuir. Atteint quasiment les 47 000 €. Donc ça reste pas donné, même pour un modèle d'entrée de gamme. Bien sûr, dans le compartiment moteur, il y aura d'autres versions, notamment une version diesel 1,6 litre, et surtout une version hybride rechargeable à 275 chevaux. Donc là, on va commencer à sentir le cœur Alfa Romeo avec de la puissance. Il y aura aussi une version cœur de gamme à 160 chevaux, où là, je pense que avec 160 chevaux, 30 chevaux de plus, la voiture aura vraiment un autre aspect. Par rapport aux qualités intrinsèques du véhicule, le rapport moteur-boîte ne me convainc pas plus que ça. Je pense qu'il est bon d'attendre d'autres versions. Tonal Lay mérite une motorisation à la hauteur de ses qualités dynamiques. Dites-moi dans les commentaires si vous avez eu l'occasion de l'essayer et ce que vous en pensez. Ça m'intéresse d'avoir votre avis. Alors, pour conclure, moi je peux dire que en termes de design, la voiture me convainc à l'extérieur, ça change un peu tout en rondeur, le style Alfa Romeo. La planche de bord, l'architecture, elle est intéressante, la forme de la planche, c'est assez dynamique. Après, en termes de qualité dynamique sur cette entrée de gamme, je suis moins convaincu par la motorisation, le rapport moteur-boîte qui est un peu trop mou, trop latent. Ça, c'est un petit peu dommage. C'est un véhicule qui mérite une motorisation plus élevée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu, c'est important. Essai libre, c'est une vidéo tous les dimanches matin avec son petit bol de café, où j'essaye des voitures récentes comme celle-ci, ou bien des propriétaires passionnés qui viennent nous parler de leurs autos. Donc n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mail qui figure dans la description de la vidéo pour venir me retrouver et présenter votre auto à la communauté de passionnés. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire en activant la petite cloche pour être au courant des futures vidéos. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Et surtout, vivons notre passion, c'est bien le plus important. Allez, à bientôt! Ciao !